Ce n'est pas la chauve-souris qui nous rend malade, c'est nos pratiques qui finalement ouvrent plein de nouvelles potentialités pour entrer en contact avec les virus de la chauve-souris. Il y a des animaux plus suspects que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des animaux pour lesquels on a pu observer que ces animaux étaient réservoirs de pathogènes et que ces pathogènes pouvaient passer à l'homme ou passer en tout cas par des hôtes intermédiaires comme le cochon justement. En fait, ce qui est suspect, ce n'est pas tellement les animaux, ce n'est pas la chauve-souris qui amène Ebola, c'est la déforestation. Il faut replacer ça dans un contexte plus global. Il y a des systèmes de surveillance sanitaire qui s'appuient sur une collaboration accrue entre des vétérinaires localement, des éleveurs, des services de santé humaine pour arriver ensemble à détecter le plus précocement possible de nouvelles émergences, de nouveaux cas et pouvoir réagir le plus vite possible. Et c'est finalement ça qu'il faut réellement renforcer pour être capable de prévoir ce qui n'a pas encore émergé et de surveiller ce qu'on ne sait même pas qu'il faut surveiller. La santé, c'est une construction sociale. La santé, c'est une notion complexe. Ce n'est pas que l'absence de maladie. La santé, ça veut dire, c'est un état général de bien-être social, physique, biologique, environnemental. Donc, si le fait de consommer certains produits qui viennent de chauves-souris et que ça n'impacte pas non plus ces populations de chauves-souris trop, si ça permet de véhiculer, d'apporter du bien-être et de finalement de générer des réponses par rapport à des problèmes de santé qui ont du sens localement dans un contexte social donné, pourquoi pas ?